Shalom, le livre du Rav Kook, les lueurs de la Teshuvah, qu'a-t-il de particulier qui nécessite son étude continue? Eh bien, ce livre-là, la motivation intérieure de la Teshuvah est fondée sur l'amour de Dieu, est fondée sur l'amour du bien, est fondée sur l'appréhension profonde par l'esprit, par la compréhension du service divin et du bien. Ce qui s'appelle en hébreu Tshuva Me'ahava, Tshuva Sechlit, Tshuva Ila'a, Tshuva Eliona. Évidemment, ça ne remplace pas les autres Teshuvot, au contraire. Ce n'est pas alternatif, c'est cumulatif. D'abord, il faut les autres teshuvot, par la crainte, par l'adéquation avec le comportement juif, l'obéissance au prophète. Mais notre génération, qui est idéaliste, malgré les apparences, a justement besoin de ce haut niveau de Teshuvah. Et c'est pourquoi ce livre, ce petit livre, nous apporte une grande bénédiction. Shalom.